Moi j'ai pas mis mon portable. Bah si, il est là. C'est lancé, bonjour à tous, salut, ça bonjour. Va, j'espère que bonjour vous allez bien. Bonjour à tous. Il y a de la bonne ambiance dans les, bureaux bonne, du prochain voilà, pays. Il y a une bonne ambiance dans, les bureaux. Voilà, il y a même Alexandre qui s'invite. C'est pas loin du micro. Hein, alors, on est super, on est ravis de vous retrouver. Alors, on a fait pendant tout ce temps, là, ça fait un mois qu'on est sur les designs des sites. L'idée, c'était de moderniser le plus possible les designs actuels qui étaient un petit peu, à notre goût, un petit peu étroits. Alors, déjà, la première très bonne nouvelle. Alors, je vais commencer par nous excuser parce qu'on a deux erreurs se sont effectivement glissées dans le post qu'on a fait pour annoncer le live. Alors, vous êtes 100% à avoir trouvé qu'il y avait une erreur dans la date. Mmh. Et c'est Jérémy qui a mis 28 au lieu de 29. Bon, ça peut arriver. Il y a eu une petite coquille de faute d'orthographe, mais ça, c'était la deuxième erreur. Mais on a eu le temps de la corriger. Mais quand même. Et en revanche, l'arrivée du printemps... C'était général quoi. C'était général, c'est-à-dire que effectivement les fleurs commencent à pousser, donc du coup on s'est dit nous aussi on va essayer d'être plus joli. D'être donc fleuri. Bravo à ceux qui ont réussi à trouver à répondre au jeu des deux erreurs. C'était là, pour la monde, petite la petite record, anecdote. Voilà. Alors donc comme je le disais au niveau du design, c'était un petit peu étroit. Vous vous rappelez les deux bandes de chaque côté sur les designs actuels. Donc en fait, on a travaillé. Alors quand on travaille sur un design pour garder toute la simplicité, toute l'automatisation de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, quel que soit le mode d'affichage, le navigateur, l'écran, la tablette, le mobile, l'écran classique, etc. Ça demande pas mal d'ajustements. Donc là, nous, on va travailler sur alors un peu plus que la maquette, sur le développement fini, tel qu'il va être mis en place sur les serveurs de production. La mise à jour se fera entre cette nuit et ce week-end. On va voir en fonction des petits ajustements qu'on est en train de faire, parce que là, on est en train de roder. Pour ne rien vous cacher, on a pris un échantillon de sites pour voir comment la migration se passerait, parce que tous les sites vont migrer, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, tous les sites au niveau design vont migrer. Et c'était la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer tout à l'heure, qu'on soit en standard, en premium ou en business. Mmh. Donc, tous les sites évoluent en termes de design. Alors, c'est un plus gros travail en amont, mais c'est plus simple derrière pour nous, pour les supporter. Ça évite de maintenir Oui, et puis l'idée, c'est qu'on a toujours... On les aime bien, les standards aussi. Alors, évidemment, je le dis tout de suite, comme ça, c'est fait. Si vous voulez nous aider et nous soutenir, bah, vous pouvez passer en premium. Comme ça, vous êtes en premium et puis nous, ça nous soutient. Ou en business. Et vous nous soutenez encore davantage. Voilà, c'est dit comme ça. On a fait notre petite promo. Mais voilà, c'est vrai que forcément, nous, ça nous aide hein, quand vous êtes en premium chez nous. Ça nous permet d'aller un peu plus vite pour développer toutes les idées qu'on a encore dans les cartons pour vos sites. Voilà, ça c'est fait. Voilà, alors, fait. je propose qu'on passe, on fasse tout de suite un double écran. Ouais. Si on peut passer sur notre fameux site OCASBO Demo, et si tu peux nous montrer l'ancienne version. Ancienne version, voilà, telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est quand même une version business, vous voyez. Alors, cette version, vous avez le menu qui est centré, qui est un menu personnalisé centré. Vous avez en dessous... directement collé sous le menu les quatre petits widgets. Et là, vous avez un affichage business ici, avec six photos. Voilà. Donc là, la vraie différence, elle va se faire non pas sur les six photos, parce qu'en fait, le diaporama d'image, on était déjà sur toute la largeur. En revanche, pas sur le reste. Je descends un peu le site. Tu descends, voilà. Donc là, on est sur un fond blanc. Ça n'a pas trop changé. En revanche, vous allez voir que les blocs, on va pouvoir les travailler différemment. Alors, vas-y, switch sur le nouveau design. Alors, voilà. Là, alors, ça, le ça... changement, vous voyez que c'est pas sur le diaporama, on ne voit pas grand-chose. Mais quand même, particularité, donc le menu, là, on l'a pas touché. Donc, les six photos ne sont pas touchées. En revanche, les widgets, vous avez vu qu'ils avaient disparu de sous le menu. On les a modernisés. Et ils ont été modernisés. Et ça correspond effectivement à... Avant, c'était comme ça. C'est vrai que, bon, globalement, l'impression que ça donne, c'est qu'on respire un peu plus. On a poussé un peu on a poussé un peu les murs. Et vous allez voir, on se sent... Il y a plus d'espace. Quoi. On respire mieux. Et du coup, ça permet aussi de voir mieux certains éléments du site. Hein. Donc ça, c'était les anciens widgets, comme vous disait Lionel. Et donc, les nouveaux,
On bascule. On voit bien en avant, ils sont bien, bien mis en... Voilà, et donc quand on descend et vous voyez qu'après, on passe sur, sur toute la largeur de l'écran. Hop, si je vous mets là, par exemple, on était comme ça, un peu serré. Un peu serré. Et du coup... On passe de fité à large. Voilà. Large. Mais ça reste fité dans l'écran quand même. Voilà. Alors, ne soyez pas... Alors, quand vous allez voir, nous, on a fait un certain nombre de tests sur des sites avec beaucoup de produits, pas beaucoup de produits, etc. Toutes les pages sont impactées. Page d'accueil, celle qu'on voit en ce moment. On verra les pages listing, donc ces fameuses pages catégories avec les listings produits. Les pages de contenu, donc aussi bien les pages de contenu personnalisées que les pages de contenu qui sont dans le blog. Et les pages produits. Donc vraiment, les quatre types de pages vont être impactées. Alors, il n'y a pas de risque, le site sera le même. Attention simplement, il y aura certainement vous allez vous remarquer, nous on l'a déjà remarqué sur certaines photos, quand les photos sont pas très jolies, Au sens qualité. Au sens qualité. Hein. Du fichier. Quoi. Elles vont être zoomées encore un peu plus, donc elles vont être encore un petit peu moins jolies. Donc attention, pour les nouvelles, ça ira très bien, mais pour toutes les anciennes, pour toutes les photos qui ne seraient pas suffisamment bonne qualité, repasser sur les pages du site, ça vaut le coup de le travailler. Ça permet de voir. Alors, certes, effectivement, c'est un petit peu de travail, mais ça nous a permis de mieux mettre en valeur et au niveau transport. Enfin, vous remarquerez que tous les gros sites à fort budget aujourd'hui travaillent sur des éléments beaucoup plus gros qui occupent toute la page. C'est vraiment dans l'expérience client. En fait, ce qu'on a fait, c'est un peu ça. Hein. On s'est dit, on va regarder les gros sites qui sont un peu tendance. À fort budget, qui ont mis beaucoup de budget dans le design. Et puis, on s'est un peu inspiré de ce qui se faisait. Et ce qui se fait beaucoup, c'est quand même des sites qui prennent tout l'espace parce que soit maintenant, vous êtes sur un mobile. Alors, évidemment, sur le mobile aussi, hein, ça a été aussi mis en œuvre la mise à jour, mais soit vous êtes sur un mobile et il faut que ça soit très lisible, soit vous êtes sur un ordi et à ce moment-là, on prend la place puisqu'on est sur un ordi, on a de la place, on en profite quoi. Alors, on continue un peu. On va cette fois-ci aller on va aller voir dans l'espace de gestion directement. Un peu là, je finis un peu le site. Voilà, c'était comme ça. Vous voyez, on était quand même sur un truc un peu étroit qui commençait à devenir pas très agréable et du coup là, on gagne vraiment beaucoup en lisibilité sur le site. On descend, il y a c'est plus gros, hein, tout simplement. Ça, ouais, c'est plus moderne. Et puis, okay. On voit mieux. Alors si on va dans l'espace de gestion, dans le nouveau. Dans l'espace de gestion. OK. Donc, on va aller onglet mon site. On va déjà passer par les widgets. Les widgets. Alors, à la différence d'avant, avant, vous choisissiez les widgets et vous décidiez de les afficher en haut, en bas ou les deux sur vos pages. Mais ça, quelle que soit la page dans laquelle vous vous trouviez. Aujourd'hui, c'est toujours le même principe, mais vous voyez qu'on a quatre fois la question de l'affichage. Afficher les widgets, si tu peux déplier juste le petit select, voilà. Soit on les masque, soit on les affiche en haut, soit on les affiche en bas, soit les deux. Et ça, vous avez le choix de pouvoir le faire par type de page. Alors, je ne sais pas si on voit bien, parce que je vais essayer de zoomer un peu. Zoom un peu, voilà. Donc, sur la page d'accueil. Page d'accueil. Les pages catégorie produit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les pages produit et les autres pages qui sont toutes les pages de contenu. Oui, en fait, donc là, par exemple, sur la page d'accueil, c'est écrit en haut et en bas. Et quand on est sur la page d'accueil, on les voit bien en haut, ici. Donc maintenant, ils apparaissent en dessous du diaporama et en bas, en fin de page, avant le footer. Et si... Alors, ça reste toujours les mêmes widgets, mais par type de page. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'effectivement, il y a des pages de contenu où c'était peut-être trop de les mettre en haut. Donc, le rappel en bas, c'est suffisant. Et ça pouvait impacter le design du site. Et c'était, comme on peut faire des choses plus jolies, on s'est dit, autant laisser le choix. Donc, première grande idée, les widgets par type de page. Ensuite, si je ressors, on va aller maintenant prendre un bloc. Donc, si on va dans « J'organise les blocs de ma page d'accueil ». Alors, dans les blocs de la page d'accueil, on va descendre… un petit peu, vas-y, descends un petit peu. Tu le zoomes un peu, ouais, qu'on voit bien les différences. On va aller chercher un bloc. Alors, prends le bloc de newsletter, là, t'en parlais tout à l'heure. Alors, les différences ici, vous voyez qu'il y a un peu plus de choses. Alors, première étape, marge haute du bloc. Alors là, on nous demandait beaucoup, quand on construisait des pages, de laisser des espaces entre les blocs pour aérer toujours cette dimension. On occupe l'espace, on aère, etc. Quand on parle de bloc, c'est la zone
zone, voilà, le bloc actualité, c'est ce qui c'est est cette zone-là, voilà. Ici, là, entre qui se termine juste avant les widgets et qui commence en dessous de. Voilà, alors vous voyez, là, il y a un espace. Donc, quand on est sur ce bloc, on a la possibilité sur chacun de ces blocs maintenant de choisir une marge, donc normale, petite, moyenne ou grande, voire même sur mesure, pour ceux qui disent, voilà, je veux annoncer le nombre de pixels que je veux voir. Donc, à ce moment-là, on ferait du sur-mesure. Donc, marge haute, ce qui veut dire que ça laisse l'espace, et ainsi de suite. Donc, en fait, on définit, finalement, vous allez vraiment pouvoir créer des pages très belles avec ça, parce que avec les blocs, ensuite, vous pouvez faire de l'espace. Vous allez voir la suite, là, en plus, couleur de... Alors, ensuite... Couleur de fond du bloc. Alors là, on a souvent posé la question de toucher la couleur de fond du site. On n'y est jamais vraiment allé pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a des répercussions partout, dans le panier, dans les boutons, etc. Et quand on commence à toucher une couleur de fond, il y a forcément l'association des couleurs autour et ça par type de page et ça devient vite très compliqué et ça devient vite surtout illisible. Donc une manière de... En fait, on a essayé plusieurs fois, mais ouais, à chaque fois qu'on le basculait... Il y avait toujours un truc qu'on disait. Il y a 80% des sites, il faut repasser pendant une heure et demie dessus pour essayer de s'en sortir. Donc on s'est dit, on ne va pas se lancer sur la couleur de fond, mais plutôt sur la couleur de fond des blocs. Et là, ça va permettre, comme on prend beaucoup plus de place, ça va permettre toujours, avec ce fond blanc, d'afficher de la couleur par-dessus. Et ça fait tout de suite sympa. Et là, on a la maîtrise du design. Alors là, Axu, je suis en blanc. Voilà, mets-moi une couleur un peu sympa. Allez, au hasard, j'ai envie de dire comme ça. Allez. Ah, tu t'es trouvé une petite couleur 187. Sympa. 205. 205. Ah, toi aussi. Mais non, j'ai vu ta petite note et parce 204. Que tu l'as trouvé oh, sympa. Oh, c'est pas mal. Voilà, il avait préparé une petite couleur, Jérémy. En plus, vous le savez pas ici, mais dans le studio, c'est en travaux total. On est en train de repeindre les murs. Alors, en plein dans les couleurs. Donc, vas-y sur cette couleur, le petit gris là, il est sympa, gris. Ce gris là, il est très chaleureux. Vas-y, enregistre. Et on va aller voir tout de suite sur la page d'accueil ce que ça a donné. Ouf. Voilà. Ouais, donc, vous voyez qu'en fait, le fond principal est blanc, mais on va le faire ressortir. Et ça, bloc par bloc. Donc, vous avez la main sur le fait d'aller toucher et la couleur aussi, de fond. Et ça aussi, en termes de design, on a bien regardé. Parce que l'idée, ce n'est pas que tout le monde se transforme en super web designer. On sait bien. Ou directeur artistique. Même nous, les premiers, ce n'est pas toujours très joli quand on fait des trucs. Alors dans l'équipe on a Quentin heureusement qui est là pour nous rappeler à l'ordre quand c'est moche, mais même si des fois c'est il y a des bas, on a un artiste Quentin d'ailleurs voilà. Après c'est en fonction aussi de son planning, mais il intervient régulièrement, il peut filer des coups de main aussi soit du coaching soit de l'assistance pour mettre les sites à des conditions tarifaires très 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 sympas. Donc en l'espace de quelques heures et de quelques allers-retours, alors quand je dis très très sympa, on est sur 400, 500, 600 euros, donc vous voyez, sur une petite enveloppe qui vous permet de lui confier un petit peu la gestion artistique, on va dire, de votre site, donc notamment sur les vitrines ou sur certains e-commerce, et ça, n'hésitez pas à nous en faire la demande. C'est vrai que des fois, en fait, ce qu'on a remarqué aussi dans les sites, si vous regardez des sites, des gros sites, hein, je ne veux pas te citer parce que je n'ai pas forcément d'exemple précis, mais on en a regardé beaucoup dans la mode, beaucoup de sites e-commerce aussi, mais pas que. En fait, on se rend compte que maintenant, le design, il est assez simpliste de prime abord. Il n'y a pas des trucs partout comme il y a eu une époque, des menus, partout, des machins. Voilà, c'est assez simple. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le site il marche sur mobile et qu'il se déplie quand on est sur ordi. C'est ça qu'on appelle le responsive. Mais du coup, ça marche beaucoup avec ces systèmes de bandeaux que nous, on appelait blocs, là, de blocs. Et c'est vrai qu'avec deux couleurs en alternant, par exemple le Actu qui est ici, le Notre Société, on pourrait refaire la même couleur. Boum, ça ferait tout de suite un truc un peu dynamique. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai presque envie de jouer avec là et de le mettre la même couleur, ouais, avec le texte en blanc pour voir ce que tu pourrais, ouais. Alors, c'est ce que j'expliquais à l'un d'entre vous hier sur un échange, justement. On discutait site web mobile, application, etc. Nous, le choix qu'on a fait, c'est pas d'y aller sur une application parce que c'est trop limité en termes de fonctionnalités. Ça oblige à avoir de l'iOS, ça oblige à avoir de l'Android, etc. Donc, on a un site web qui est mobile avec un espace de gestion, un espace gérant pour gérer le site qui est tout à fait opérationnel sur mobile. Voilà. Donc, on peut très bien se connecter sur son espace gérant.
Mais on reste, on insiste sur le fait que quand on travaille sur le site, on est quand même plus à l'aise sur un écran que sur un mobile. Alors là, Jérémy nous a fait un... Je me suis amusé à prendre la même couleur. Alors il se trouve que cette couleur, ce n'est pas n'importe quelle couleur, c'est la couleur secondaire du site qu'on retrouve à plusieurs endroits, qui a été gentiment fournie par Quentin. Et Alors il a fait un truc aussi. Là par exemple, j'ai le texte en noir, en bas on avait le texte en blanc, on peut jouer là-dessus aussi. Hein. Ouais. Oui, déjà avec la couleur de fond et le texte, on fait beaucoup de choses. Hein. Alors il a fait un truc amusant aussi, j'ai vu, vas-y remonte un tout petit peu sur le front. Là vous voyez, notre programme fidélité dans un bandeau, donc ça c'est Quentin qui a dû faire ça. C'est détourné, donc si on peut retourner dans l'espace de gestion. Sur fidélité, ça doit être. C'est celui-ci. Alors, vous voyez ce qu'il a fait. En fait, il a mis une marge haute, moyenne, une couleur de fond du bloc. Il a fait un texte. Il a masqué le titre. Voilà, on a masqué le titre. Voilà, il a masqué le titre du texte et il a mis juste le texte, ce qui fait que ça lui fait un bandeau en couleur avec du texte à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc c'est l'exemple de ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, ça c'est, on le fait de manière très simple. Ça, quand on dit bloc, c'est pas forcément tout dans le même bloc. Hein. On peut faire quatre blocs pour parler de la même chose. Finalement, le programme de fidélité ici, il fonctionne sur deux blocs. Il y a un premier bloc ici qui fait un peu titre, voilà. Parce que si vous voulez, si c'était tout dans le même bloc, on pourrait faire ce titre comme ça, mais on pourrait pas mettre le fond orange parce que au bout d'un moment, ça ferait vraiment beaucoup d'options. Et l'idée, c'était toujours de se dire, il faut arbitrer entre peu d'options. Parce que s'il y a 25 boutons à cocher, à cliquer à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que plus personne ne fait rien. Et en même temps, plein de possibilités de graphiques. Fait rien ou casse. Voilà, ou casse. Là, c'est OK, donc on revient sur l'espace de gestion. On va continuer de dérouler où on était tout à l'heure. Là, alors, on était tout à l'heure dans... si tu peux revenir dans... Mince. Newsletter, on était, je crois. Oh, on va voir qu'on pourrait le faire. Retourne en newsletter, voilà. Donc, petite particularité aussi sur l'aspect actualité. Vous voyez qui est le titre de notre blog. Maintenant, vous avez la possibilité de le centrer, comme c'était fait avant, ou de l'aligner à gauche. Donc là, si on l'aligne à gauche, ben le titre de bloc. Alors, ça dépend en fait du design. Hein. On peut alterner. Donc, bref, on peut faire différentes choses. Et également le trait de séparation. C'est-à-dire qu'entre chaque bloc, voilà, le petit trait. Vous voyez. Donc, quand il est centré, c'est pas mal d'avoir le trait. Quand il est aligné à gauche, centré, c'est peut-être presque après à voir. Hein. C'est des essais qu'il faut faire. On peut jouer avec. Donc, on peut jouer avec. Donc, je fais ça, par exemple. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Je le mets à gauche et j'enlève le trait de séparation. OK. Hop. Alors en plus, là, il y a une petite feinte, c'est que le trait de séparation est la même couleur que le fond. J'ai pris la deuxième couleur du site, donc voilà. On pourrait faire d'autres exemples. Et là, du coup, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? J'ai pas sauvé, j'ai pas fait le truc qu'il faut. Ah oui, non, je suis pas sur le bon bloc. Voilà. Actualité, c'est là. OK, donc l'actualité, vous voyez, il est parti à gauche et il n'y a plus de trait. Alors là, sur un design comme ça, bon, je trouve pas ça terrible. Non. Maintenant, si vous avez une page, vous voulez mettre un peu plus du contenu, organiser votre truc, ça peut être sympa de structurer les titres à gauche aussi. Ça, voilà, ça... là-dessus, voilà. Et puis pareil, tout le reste du bloc est centré, donc c'est un peu, ça va pas trop comme ça, donc on va le remettre là, et puis on va remettre le trait. Et si je mets une autre couleur, alors vous n'êtes pas obligé de connaître les couleurs hexadécimales par cœur. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que ça va de 0 à 255, puisque c'est 2 puissance 8, les couleurs sont codées sur 8 bits, c'est pour ça. Voilà, il y a le rouge, le vert et le bleu. Voilà pour ceux qui s'intéressent. Et sinon, vous pouvez cliquer là. Voilà, et vous choisissez votre couleur. Voilà. OK. C'était la petite minute. La petite minute pour que... Technique de Jérémy. Voilà, qu'on n'ait pas fait des cours pour rien. Hop, donc là, je prends une couleur, j'en sais rien, comme ça. Hop, là, je fais enregistrer. Et quand je reviens... C'est les suites. Hop. Alors, soyez pas. C'est les suites du déjeuner de midi rapide. Et c'est pas si mal cette couleur. Les, hein. Entre les épitas de l'équipe. Ah, ils se sont un petit peu exclus le bout de l'année. Voilà. Donc ça c'est pas mal finalement. C'est pas mal. Hein, t'as c'est pas, peu, pas mal du tout. Comme quoi. Ouais. Hein, avec le trait, pas la dit. Couleur. C'est mieux. Je vais vous dire. C'est mieux que la couleur qu'on a mis sur le mur derrière vous là, parce que bon bref. OK. Et là on voit le trait. Et donc, c'est là où l'intérêt de pouvoir virer le trait, il est intéressant parce que autant quand on ne met pas de... Là, voilà, on est sur blanc, fond blanc, blanc partout. Le trait, il est hyper intéressant parce qu'il structure le bloc. Mais quand vous êtes sur un bloc avec un fond, en fait, il est déjà structuré, votre bloc, par le fond. Donc là, ça n'a pas là, de sens de mettre le trait. Donc là, tu pourrais l'enlever. Je vais enlever de ce pas le trait. Hop, voilà.
Voilà. Alors, on fait exprès de vous donner toutes ces petites astuces pour vous donner aussi des petites idées. En fait, il faut avoir un peu d'imagination, être un peu créatif, et puis on arrive ça tout de suite. Ça l'a improvisé comme ça, mais on a répété 12 fois avant. Enfin, ça, pas du tout. Mais bon, c'est très... Ok, autant la couleur, ils connaissaient les... Mais pas celle-là. Pas celle-ci, non. Ok, donc ça, c'est un type de page, la page d'accueil, qui est effectivement la home, la page principale du site. On va passer sur une autre page. On va peut-être aller sur la page catégorie. Juste faites gaffe avec les couleurs de ne pas mettre trop de couleurs différentes. Oui, il faut que ça reste... Comme dans une pièce, quand on repeint les murs, apparemment, il ne faut pas mettre trois couleurs différentes. Ouais. Sinon, ça ne va pas. Ok, donc passe sur une page listing, page catégorie produit. Ah, je les aime bien, celles-là. Hop. Alors, on va faire avant, tiens. Allez. Avant, dans les sites du monde d'avant. Voilà. Hop. On était comme ça. Donc en fait, on était un peu comme ça en fait, pour schématiser. Voilà, c'est quand on a voulu passer, les portes se sont fermées. Alors pourquoi on était comme ça? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait les filtres qui étaient sur le côté et qui bouffaient beaucoup de place. Alors les filtres, c'est pratique, mais vous allez voir, on a trouvé une solution. Pareil, enfin, on ne l'a pas inventé, on a regardé beaucoup de sites comment ils faisaient et on a repris les mêmes usages pour ne pas perdre les gens. Parce que l'intérêt aussi de ce genre de fonctionnalité, c'est de faire quelque chose attendu. Parce que les utilisateurs, si vous commencez à faire un design qui n'a jamais été vu nulle part, que le menu il se retrouve au milieu du site ou en bas à droite, personne ne met un menu en bas à droite. Donc du coup, votre internaute, il ne va pas le trouver. Quoi. Tout simplement, il ne s'attend pas à ça. Donc on a un petit peu actualisé au niveau des filtres, vous allez voir. Et puis là, pareil, c'est un peu serré comme ça. Et surtout, en fait, il y avait quelque chose d'intéressant qu'on avait commencé à mettre. C'était les photos d'illustration pour donner une ambiance à la catégorie. L'idée, c'est quand on arrive dans le rayon... je ne sais pas quand vous faites vos courses chez vous si c'est comme ça, mais par chez moi ils ont refait l'intérieur du Leclerc et de l'Intermarché et maintenant quand on arrive au rayon des fruits et légumes, c'est super décoré, il y a des dessins de fruits et légumes, quand on arrive au fromage il y a des dessins de fromage et on se met dans l'ambiance et voilà. Et là c'était un peu l'idée aussi, sauf que finalement la photo on ne la voyait pas beaucoup, c'était un petit peu une illustration comme ça qui se promenait. Et là du coup on va aller voir tout de suite dans la nouvelle version, hop. Voilà, et là, boum. Donc, on retrouve nos widgets, hein, puisqu'on les a mis sur la page, on a dit en haute page aussi sur les pages catégories de listing. Alors là, on pourrait l'enlever. Voilà, on retrouve notre photo d'illustration qui, du coup, met une en vraie ambiance, là, parce qu'on commence par ça, on sait où on est tout de suite dans un environnement sympa. On retrouve le petit texte SEO qu'on peut mettre soit en haut, soit en bas. Alors, en haut, on a plutôt intérêt à mettre quelque chose de pas hyper long, mais voilà, qui va quand même aussi être lu par l'internaute. Si on veut un petit peu plus travailler son référencement naturel, on peut faire des textes un petit peu plus longs. Alors, pas pour bourrer des mots-clés, hein, mais juste pour expliquer un peu plus en détail si quelqu'un arrivait dans cette catégorie et qu'il avait les yeux fermés. Encore une fois, c'est la petite astuce qu'on aime bien donner quand on veut rédiger du contenu pour Google. C'est mettez pas des mots-clés dans tous les sens, juste expliquez ce que vous voyez sur l'écran à la personne qui est en face de vous et qui ne voit pas l'écran. Et juste en faisant ça, vous allez voir que vous allez mettre les bons mots et que Google, finalement, c'est un peu son problème aussi, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans la page, donc on a besoin de lui expliquer et voilà, c'est une bonne petite technique. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous voyez, du coup, comme on n'a plus la colonne filtre qui est passée au-dessus, on passe de 3 produits à 4 produits. Et oui, donc, et ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est sympa. Alors, je ne sais pas si vous allez en vendre un tiers de plus, mais… Mais en tout cas, on les voit mieux. Voilà, on les voit mieux. Et non, les filtres, honnêtement, on voit mieux les produits. Enfin, alors, on a conservé sur la droite, là-bas au bout à droite, le tri par catégorie. Ici, voilà. Et le tri et l'affichage, les deux modes d'affichage. En listing. Ça, c'est en bien liste. Pour les sites un petit peu plus techniques. Ouais. Voilà, en liste et en galerie. Voilà. Et donc, si on revient sur complètement la gauche, on retrouve nos filtres ici. Alors, vas-y. Un petit clic, paf. Et là, la fenêtre vient. Alors, sur mobile, bien sûr, elle va prendre. Bon, là, je suis sur une catégorie. Où il y en a que... Sur mobile, elle va prendre tout l'écran, hein, naturellement. Vous avez demandé un filtre, donc il va falloir faire le filtre. Et auditorium, c'est sympa quand même, parce que là. Alors, il y a débat sur la hauteur des photos. Je préfère qu'on en parle tout de suite. Alors là, par exemple, c'est peut-être un peu haut parce qu'il y a les widgets. Alors, on va tout de suite les virer, les widgets. Comme ça, on va aller vous montrer ça. Donc, gérer les widgets. J'ai l'impression qu'on vous fait visiter notre appart. Alors, qu'on a retapé. Sur les pages catégories, donc la deuxième typologie. Et donc, on va les mettre juste en bas. Voilà, enregistrer. Voilà. Okay. Donc notre page qui est comme ça. On rafraîchit. Hop. Voilà, donc là, il n'y a plus les widgets. Et donc, là, on est tout de suite. Alors, on les a conservés juste en bas. On est tout de suite dans l'ambiance. Vous avez le bandeau moche là, du site démo. Donc, en fait, le site, il est comme ça. Et là, franchement,
Vous avez un site, vous n'avez pas à rougir là, parce qu'on a vu des sites avec des budgets de design à incroyable, à 6 chiffres. Hein. C'est pas mieux. Hein. Enfin, honnêtement, maintenant les sites c'est comme ça, c'est hyper épuré, ça prend l'espace. Il y a du volume et on se sent bien parce que finalement, quand on est dans un site tout étriqué, bah, on se sent moins à l'aise et on a moins envie d'acheter que quand on a de la place, que c'est joli, qu'il y a une ambiance. Alors, si on passe, vas-y, descends un peu parce que j'étais sur les filtres. Dans la miniature, ça ne bouge plus. Dans la miniature, ça ne bouge plus. Ça continue. D'accord. Alors, un petit problème technique. Ah. Non, tu vois qu'il fallait mettre le fil. Voilà la vidéo. Ouais, ouais. Ok. J'essaye un truc. Ok, bon, bah, c'est déjà. Si on ne voit plus bouger. Non, on est freeze. Ah. Bon, on va voir. Hein. Pas grave. D'accord. Je vais mettre le. On va nous virer pour le moment. Puis... On est. On est j'ai, on... coupé les, j'ai coupé le. Tu peux relancer si tu veux. On est figé. Voilà, petite intervention technique de l'équipe de technique. Je fais le code. Hop. Et alors, on en était où? On en au était. Filtre, voilà, voilà les filtres. Donc, juste, oui, je vous disais, il y a des bases sur la hauteur de l'image, mais honnêtement, même avec une grande image, c'est super sympa. Voilà, les filtres, je suis allé là, pourquoi ? Parce que voilà. Voilà, donc vous voyez que la fenêtre s'intercale, elle s'ouvre et elle va pousser, elle vient en surimpression de l'écran et c'est ici qu'on va aller filtrer et que vous avez catégorie, sous-catégorie, sous-catégorie, etc. Donc il suffit simplement. C'est bon, on est calé ? Bah, c'est bon. Ouais. Vas-y. Non, ça bouge pas, mais c'est pas grave. Ça vas-y, bouge continue, pas. Lionel. On va ok. Donc là, on a la possibilité de filtrer. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, sur mobile, la fenêtre vient couvrir tout l'écran. Vous choisissez votre sélection et vous cliquez sur afficher les résultats. Et là, vous voyez, pareil, elle laisse l'image derrière, mais l'image derrière ne peut plus bouger en fait. Hein. C'est faut vraiment travailler sur cette ce pop-up qui vient en surimpression non, avant de pouvoir honnêtement sur les pages listing les pages catégories qui sont des pages qui sont très intéressantes à travailler en référencement naturel hein, en SEO là vous allez vraiment pouvoir faire des pages super sympas quoi. Alors, hop on va brancher vous ne voyez plus mais on est toujours là on va se rebrancher avec du fil on va passer en filaire voilà pour que ça soit mieux ce qui a priori. Alors, on continue sur un autre type de page. Est-ce qu'on peut aller sur maintenant une page produit ? Jérémy ? Yes. Alors, une page produit. Boum. Attends, pas trop vite. Je vais d'abord montrer la partie... j'allais dire la page moche, mais enfin bon, faut pas pousser quand même. L'ancienne version. Alors, prends un produit n'importe lequel, peu importe. C'est lequel je voulais, moi. C'était celui-là. Ah, tu voulais montrer un produit en particulier. Voilà, celui-là, parce que j'aimerais bien que tu l'achètes pour mon anniversaire. Ah, d'accord, ok. Alors, cette enceinte sans fil, voilà, Wi-Fi. Ouais. Oui, et puis l'image, alors j'ai peut-être pas pris le bon. Ok, ouais, non, mais l'image, elle n'est pas terrible. Bon, on va voir ce que ça alors, mais non, prends cette image, parce que justement, elle va être zoomée et elle ne va pas être très belle, justement. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple type d'un site où vous auriez mis une image qui est franchement pas... On rebouge. Voilà, on rebouge. Ça y est. Vous auriez mis une image qui n'était vraiment pas réussie. Donc, vas-y, on va retourner sur cette page produit. Alors, donc, ça, c'est l'ancienne page produit. Voilà, l'ancienne donc, page, là... on était avec la photo à gauche, le petit bloc ici. Bon, là, vous avez des options. Donc, vous avez ce petit bloc avec les options. Et puis, là, il y a la description là. Alors, on a une remarque très, très pertinente suite à l'annonce du live. On a quelqu'un nous a dit... ouais, ça serait bien si la description elle passait en dessous, comme ça on aurait toute la largeur. Voilà, donc on a tout refait cette nuit. Cette nuit, on a tout codé. Alors, non, c'était prévu dans cette version là. Donc, effectivement, la description va passer en dessous et on va gagner beaucoup plus de place. Alors, si on peut allons voir notre Néolith 15. Aller voir sur le nouveau design. Ah, donc, voilà, vous voyez, ça, là, l'image, on voit bien qu'elle ça picote un peu. Ouais, quand même, mais franchement, mais, ça voilà, peut être donc pire. On est parti d'une toute petite parce image. Vous voyez là, donc, forcément, comme on l'a grossi, bah, elle est pas. La qualité n'est pas... Est bon, normalement, pas vous n'avez pas des photos de cette taille-là sur normalement, le site. Normalement, mais là, c'est parce qu'on avait l'exemple, fait ça, fait. L'exemple est c'est Lionel, parfait. C'est parce Lionel que... qui avait du mal le faire. Non, mais justement, ça sert d'exemple, c'est très bien. Alors là, c'est intéressant, sur la page produit, on a mis les widgets en haut, en bas. Donc, vous voyez qu'en haut, ils s'affichent ici. Donc, ouais, ça, alors, c'est cool aussi, ça. Là ça les pousse un petit peu, mais ça peut être hyper intéressant de les afficher en fait, sur les pages pourquoi produits. Pourquoi on les a mis là ? Parce que la description, maintenant, se retrouve en dessous. Et ça, c'est bien parce que là, on est sur un produit avec une description assez courte. Mais si on a des produits avec des descriptions plus longues, et encore une fois, pour le référencement naturel, c'est mieux. Et ben, vous avez de la place en largeur et en hauteur pour faire des beaux trucs dans les descriptions.
et vous ne retrouvez plus avec un produit avec une petite photo à gauche et ensuite que du vide en dessous et un truc tout long, tout serré à droite. Alors, tout dépend de ce que vous mettez, du contenu de votre widget, bien sûr, mais pour certains widgets, ils ont tout à fait leur place sur une page produit. Si on peut revenir sur la page d'avant, sur les widgets, par exemple, frais de livraison offert, le rappeler, c'est pas mal. Paiement sécurisé, le rappeler, c'est pas mal. Bah, programme en fait, de fidélité. Là, vous voyez, êtes quand même au moment crucial. Le truc crucial sur votre site, c'est là. C'est le bouton ajouter au panier déjà pour commencer. Alors, le truc crucial, c'est le moment où il paye. Mais là, vous avez quand même un truc qui est sympa, c'est qu'on vous dit posez une question et en dessous des petits trucs de réassurance. Honnêtement, avec ça, vous C'est comme disait Jérémy, ça, réassurance, ça rassure, on va dire. Alors là, ça les pousse un petit peu parce que vous voyez qu'on a, deux options. Initial et couleur, on a rajouté deux blocs options. Donc attention aussi à vos designs. Hein. Peut-être que les widgets, il ne faut pas les mettre si il y a vraiment beaucoup d'options. Bref, là aussi, il faut repasser sur les exemples. Vous voyez, là, par exemple, il n'y a pas d'options. Vous voyez que là, ça structure bien avec la description qui passe en dessous. Donc voilà pour la page produit. Donc, dernier type de page, ce sont les pages de contenu. Donc là, on va retrouver le même principe que sur la page d'accueil. On peut aller par exemple sur le blog. Vous voyez ici. Pour vous donner un ordre d'idée, pareil, on gagne en largeur, on gagne en respire. Là, c'est le même principe. Prends un des articles de blog. Déjà le blog là. Ouais, prends un des articles de blog. Prends le premier. En gros, et puis du coup, on passe là. Quoi. Voilà. Donc tout de suite, vous voyez, on prend de l'espace. Bonjour. Et va sur un article. Donc là, on va retrouver sur l'article de blog les mêmes notions qu'on a vues précédemment. Ça, hein. Les blocs, on peut mettre des fonds. Il était vite fait celui-là, visiblement. Oui, non, mais c'est pour juste faire des tests, ça. Voilà. Donc, et vous voyez qu'ici, sur le blog, par exemple, il n'y a pas forcément d'intérêt de faire apparaître les widgets. Ça vous décale tout et ils apportent finalement pas grand-chose. Donc, les widgets à minima, moi j'aime bien dire qu'on les met. On les a virés, là. Faut les mettre sur toutes les pages en fin de page et sur certaines pages, page d'accueil, page produit, ça vaut le coup de les afficher en haut et en bas, voire même page catégorie à voir. Donc, ça, c'est vraiment fonction après des images que vous mettez, de la hauteur des images que vous mettez. Voilà, on a fait je crois qu'on a à peu près fait le tour. Alors, je vais vérifier mes petites notes parce qu'on avait. Je mets des petites notes pour savoir tout ce que. Pour ne pas oublier si on a des choses à vous dire. A priori, on vous a. Oui, si, je crois qu'on a, à peu près fait le tour. Donc, l'idée, hein, pour vraiment résumer tout ce qu'on s'est dit, c'est. Le design change, il prend de plus en plus de place. On va épouser vraiment tout l'écran, en fait. Hein. Ah, vous allez voir, franchement, c'est agréable. Ça grossit, c'est beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne. Et donc, il y a des impacts sur les widgets. C'était un élément important qui structurait et à la fois nous bloquait un petit peu. Donc maintenant qu'on a poussé ces colonnes à gauche et à droite, les widgets, on les installe où on veut. En fonction des différents types de pages, donc on va pouvoir travailler sur les blocs avec des couleurs des fonds, des titres, de titres centrés ou alignés à gauche, avec des séparations ou pas, avec des espaces entre les blocs. Donc ça, c'est globalement page d'accueil et page de contenu. La page catégorie, elle prend en puissance avec des filtres qui sont complètement modifiés. Là aussi, pour avoir une navigation de plus en plus fluide, de plus en plus intuitive, choisir les filtres, descendre, etc. Et dernier type de page, la page produit, où là, on laisse toute sa place à la description en la passant en dessous. On affiche les widgets en haut si on souhaite les afficher. Et voilà, et on affiche bien sûr 4 produits au lieu de 3. Alors sur mobile, on reste sur ces principes, hein, sauf que les blocs passent les uns en dessous des autres, mais toujours avec des tailles assez plus importantes. C'est ce qu'il faut retenir, et que tout le monde va bénéficier de cette respiration à plein poumon. Ouais, exactement. Ça nous faisait plaisir aussi de faire une modif qui impacte tout le monde. C'est vrai que les dernières modifs, c'était un peu moins pour les standards. Mais là, du coup, c'est vraiment chouette. Vous allez voir, votre site, il va prendre un petit peu d'ampleur. Là. Ça va être top. Voilà, avec ça. Donc gros travail de fond. Et sur alors, petit focus aussi. Je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup les blocs et les pages de contenu, mais pas tout le monde. Là, vraiment, ça vaut le coup de passer un petit peu de temps
à jouer avec ça, que ce soit sur la page d'accueil ou pour faire des pages de contenu dans le blog ou même des pages de contenu juste dans le site. Vous savez, vous pouvez mettre des petites pages qu'on rattache dans les menus. Vraiment, ça n'a pas l'air comme ça. Ça a l'air assez simple finalement de dire bon, j'ai une couleur de fond, la barre, le titre centré, pas centré. Mais finalement, on a vraiment beaucoup réfléchi à ce truc-là pour qu'avec peu d'éléments, on arrive à construire des pages vraiment sympas. Et ce qui peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent se faire aider par des créas entre guillemets, ou des graphistes, ou des ceux qui savent faire un peu du joli, c'est de leur donner dès le départ entre guillemets les contraintes techniques avec ces blocs, en disant voilà, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où on raisonne avec des bandeaux. Voilà, sachant que dans le bandeau on peut mettre une couleur, on peut mettre un titre, enfin une couleur de fond, un titre ou pas. Si le bandeau n'a pas de couleur de fond, on peut mettre un petit liseré autour du titre pour structurer. Et puis après, bah voilà, vous pouvez mettre soit un bandeau de produit, soit du texte, vous connaissez, hein, soit une image, ouais, deux images, du texte, une photo, une vidéo, une texte. Et toujours la fonction SEO qui vient dessus avec les balises, hiérarchisation des balises, oui, contenu, etc. Toujours, donc tout ça vous permet d'avoir un joli petit package. Que vous dire d'autre, c'est à peu près tout. Alors est-ce qu'il y a, alors si mise en production, donc de mise à jour de la version, alors on peut s'engager à ce que vous l'ayez tous, je pense, dès lundi, peut-être avant, donc on va voir, on va faire au mieux, peut-être ce soir ou demain soir ou vendredi soir, j'en sais rien, on fera ça, la mise en prod va se passer la nuit au moment où il y a le moins de monde possible sur les serveurs. Alors, si jamais il y en avait un qui s'apercevait de quelque chose à 1h du matin, par exemple, ou à 2h du matin dans les 3 On va vous mettre le 06 de Lionel en commentaire. Voilà. Attendez quelques minutes. Oui, ça va forcément couper quelques minutes. Donc, ne soyez pas surpris. C'est pour ça que généralement, on fait ça la nuit. Ne vous affolez pas. Reste avec toi, là. Ça reste une poignée de minutes. Voilà, alors il nous reste peut-être, est-ce qu'il y a éventuellement des questions, est-ce que... Pas de question, juste un petit commentaire de Laurine sur YouTube. Oui. Qui veut avoir... Merci à ceux qui nous regardent sur YouTube aussi, on a envie de pousser un peu la chaîne YouTube. Ouais, j'ai vu, ouais. D'accord. Juste pour voir le footer, parce qu'on n'a pas trop parlé de footer, il n'y a pas eu des grosses modifications, mais il y a quand même des modifications. Alors, non, sur le footer, il n'y a pas franchement de modification, puisqu'on a accès au footer via la personnalisation du menu. Donc, menu personnalisé. Il n'y a pas de choses que vous pouvez. Vous ne pouvez pas interagir. Voilà. Mais c'est mis en forme. Alors, je vous remonte ça. Hop, on va se mettre sur le tac. Donc là, n'oublions pas que le footer, vous pouvez le travailler. Ici, là. Vous pouvez le travailler en menu bas personnalisé. Et donc là, je mets le nouveau. Ouais, mets le nouveau. Voilà. Donc, alors, les principales différences, c'est surtout l'affichage des widgets qui marque très très fortement par rapport à avant. Et en dessous, c'est effectivement, on va dire que c'est plus joli au niveau de l'organisation. C'est plus chouette. C'est plus actuel. Voilà. Plus actuel. Voilà. Donc, mais là, vous ne pouvez pas intervenir dessus. Alors, si c'est à la fois vrai et faux ce que je vous dis, vous pouvez intervenir dessus dans le sens où il y a le menu bas. Que vous pouvez personnaliser, mais vous ne pouvez pas intervenir sur... bouger les trucs. Voilà. Une fois que vous avez défini votre menu, ça va s'afficher de cette façon-là. C'est plus sympa, quoi, clairement. Des fois, les goûts et les couleurs, mais là, quand même, ouais, y a pas trop de débat. Hein. Voilà. Là, hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres? Non, bah écoutez... Ok, bon, ben on va essayer de basculer le plus vite ouais, possible. Et puis du coup, nous, ça nous permet d'embrayer sur la suite. La suite, c'est quoi? C'est qu'en fait, on voulait absolument finir cette partie design aussi pour vous annoncer un truc. C'est que sur ePro-Shopping, enfin, vous en avez déjà parlé, mais on peut faire des sites vitrines maintenant. Ils ne sont pas que des sites e-commerce. Alors, c'est des sites vitrines. Alors, quand on dit site vitrine, nous, c'est un terme, on a l'habitude d'utiliser. C'est en fait site internet. Hein, c'est un site où il n'y a pas forcément d'e-commerce dessus. Il n'y a pas le panier, quoi. Voilà. En gros, il y a site e-commerce avec le panier et tous les autres, c'est des sites web. On va dire ça comme ça. Là, avec ces outils de design-là,
franchement, si vous avez un peu préparé votre truc, en une journée, vous faites un site, mais c'est réglé, ouais. quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête. Donc, mais ça peut être un site, j'en sais rien. Vous voulez faire une asso qui raconte un petit peu ce qu'elle fait, pour un événement, j'en sais rien. Vous faites la fête de votre anniversaire et vous faites un site. On vous en avait parlé la dernière fois en vous disant qu'on allait faire une présentation, mais on attendait, en fait, on voulait ce design parce qu'en fait, c'est vrai que sur un site, vraiment un site web, un site internet de présentation, il faut passer en plein écran, bah oui, clairement. Oui, oui. Donc, on attendait avec impatience cette évolution du design pour pouvoir en parler davantage. On en a quelques-uns là qui ont été faits avec l'ancienne version et qui vont être très agréablement surpris quand ils vont passer sur la... Vous êtes un peu nos meilleurs ambassadeurs, hein, puis vous, en plus, qui nous regardez en live, alors là, vous êtes la crème de la crème. Donc, on vous envoie plein de petits cœurs avec les mains comme ça. Et en plus, d'ailleurs, on a battu le record du nombre de personnes. Donc, on est très contents. Merci. Tout ça, voilà, pour vous dire que si vous avez des gens qui, autour de vous, qui se disent « Tiens, je ferais bien un site pour… » voilà, et ben maintenant, vous pouvez aussi leur dire « Tu sais, moi, j'utilise iProShopping. C'est pas mal, c'est facile. » En plus, ils sont super sympas et rigolos. N'hésite pas à aller voir du côté d'iProShopping pour faire ton site web. Voilà, et c'est pas cher. Ça fait beaucoup de compliments là. Mais voilà, vous avez l'idée, vous avez vu la manière dont c'est fait. C'est assez simple de faire des pages maintenant. C'est plutôt, plutôt chouette en plus le résultat. Donc n'hésitez pas à parler de nous. Hein. On compte sur vous pour continuer de grandir. Et puis bah voilà, il nous reste à vous remercier. On fera un live pour présenter les sites vitrines, peut-être un peu. Ouais, en fait, on aimerait bien en faire un peu en live de vitrine. Ouais, on voudrait préparer un site et le faire en live. Et faire un live. Un live en live. Bon, après ça peut intéresser certains d'entre vous, mais ça peut aussi vous donner des idées et puis nous aider justement à mettre ça en place. Alors. Le site vitrine par rapport au site e-commerce, on est sur un système un peu différent. C'est-à-dire que le vitrine, on va pas se rémunérer, il n'y a pas de commission puisqu'il n'y a pas d'achat. Donc on est forcément sur de l'abonnement. Mais aujourd'hui, on est sur un abonnement à 10 euros hors taxe mensuelle et 20 euros hors taxe mensuelle sur un site complet dit vitrine business, donc avec le blog, etc. Donc on est sur un coût plus faible et qui est hyper avantageux quoi, pour avoir un site très rapidement avec un design ouais, sympa. Ouais. Et puis surtout facile à utiliser. Facile parce à que utiliser, ouais. Voilà. Donc ça c'est assez important. Et puis pour la partie e-commerce, donc on travaille sur des nouvelles fonctionnalités. Alors on a pas mal d'idées. Alors il y a des choses qui vont venir. On vous en parlera bientôt aussi. Mais il y a des petits j'ai roulé un peu sur la gauche. Il y a des petits ajustements qui vont être faits, notamment pour tout ce qui est gestion de la TVA à l'export. On va travailler sur des seuils de commande, on va travailler sur pas mal de petites choses pour les business qui ont une activité assez importante dans ces domaines-là. Et puis ensuite, on réfléchit aussi à bon, je ne veux pas faire de confidences ni de dévoiler des secrets, mais il y a des choses qui vont arriver. On a un planning qui est bien chargé maintenant jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc, soyez de plus en plus nombreux à utiliser notre solution. Nous, ça nous aide. Ça nous a aidé à passer le cap de l'année 2022 qui était compliqué en termes d'énergie. Donc, sachez que pour nous, il y a un impact très, très fort. D'énergie, hein, pas d'énergie, ouais. Pas du PEPS. Hein. D'énergie électrique. D'énergie électrique, ouais. Parce que les serveurs, ça on avait consomme pris de l'énergie. Donc, on avait pris le pari de maintenir nos tarifs. Le pari a été gagné. A été tenu plutôt. pas vraiment gagné, mais tenu. C'est pour ça que maintenant, il faut que vous soyez de plus en plus nombreux. L'électricité sur des serveurs. C'est x3. Plus, voire même un peu plus. Et puis les salles climatiques, etc. On a des data centers où on a malheureusement pas eu notre mot à dire. Ah oui, non. Il a fallu. On est d'accord, soit il débranche vos sites. Voilà, donc. On vous a pas demandé directement, on est parti du principe que vous aviez plutôt envie de garder vos sites. Donc voilà, on a dit donc OK. On s'est dit que nous, on avait aussi envie de conserver la plateforme. Voilà. Donc,
On a pris cette option-là et bah, merci à ceux qui nous font confiance depuis le début, qui nous suivent, qui nous recommandent. Il y en a beaucoup qui nous recommandent et ça nous permet d'avoir de nouveaux sites. Nous, et ça nous permet de faire évoluer également technologiquement et techniquement toute la plateforme, de la faire migrer, d'arriver sur des choses de plus en plus dynamiques, simples et qui vont de plus en plus vite. Donc, et ben voilà, c'est encore, comme ça. Encore une fois, gardez dans un petit coin de votre tête que vous pouvez faire maintenant n'importe quel site internet sur e-pro-shopping et pas uniquement des sites e-commerce, en sachant quand même, comme on reste e-pro-shopping, la base, elle est similaire. Et donc, du coup, quand vous faites un site vitrine classique, vous pourrez activer le e-commerce plus tard en un clic. Il n'y aura pas besoin de refaire le site pour mettre le e-commerce. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, on a envie de lancer un truc, on a une idée, et puis on ne sait pas trop. Puis le truc se met à se marcher et à part refaire tout le site, juste on ajoute le panier, c'est terminé. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Il nous reste à vous remercier. On vous dit à bientôt sur un prochain live. La peinture en face de nous aura séché. celle des sites aussi. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Hier, ils ont décidé qu'ils voulaient repeindre un mur en couleur. Donc, voilà. c'est très bien. C'est très bien, mais c'était juste avant le live. On aurait pu attendre 24 heures de plus. Voilà. Il nous reste à vous remercier. On vous souhaite à toutes et à tous... Un bon travail, un bon début de printemps. Et bon début de printemps, un bon travail sur ce qui vous attend là. Ouais, vous allez voir jouer un peu avec vos sites, vous allez voir, c'est marrant. Bon, et je vous dis, tout va passer plus grand, donc voilà, c'est la bonne nouvelle. On voit la vie en grand maintenant. Voilà, c'est sympa. Allez, on à vous bientôt. Remercie, à très bientôt. Salut. Au revoir.